Hey Mina, c'est Q-Chan, et bien voilà, on vous retrouve donc pour la suite de Code Vein, toujours en compagnie de Quentin Salut les gens. et de Poussin. Salut à tous. Voilà, donc maintenant, comme la dernière fois, on avait pu vaincre ce boss et ouvrir la porte pour retrouver la sœur de Louis, hein, il faut maintenant qu'on trouve les autres portes pour trouver les autres héritiers. Alors, on sait que dans la cathédrale, il y avait deux portes. Par contre, je sais plus où elles sont. Techniquement, elles sont pas loin d'une pouce, donc on peut se téléporter directement là. Mais alors, lesquelles de pouce, je sais plus. Alors en plus, techniquement, il me semble que sur l'image de la téléportation, on voit les portes. Ok, bah alors ça va être pratique alors. Je vais peut-être, je vois que j'ai quelques pouces, je vais peut-être prendre quelques niveaux tout de suite. Par contre, vérifie peut-être, je sais pas s'il faut pas retourner d'abord à la base. Ah, peut-être. J'ai un doute là-dessus. Ben, écoute, je vais me téléporter tout de suite à la base, on va voir, peut-être que ça débloque un truc. Peut-être qu'il y a une cinématique à voir, ouais, c'est possible. Donc, temps de chargement, hein, voilà, ça commence bien. Évidemment. Début de vidéo, temps de chargement. Comme d'habitude. Exactement. J'espère que ce temps de chargement vous plaît. Ouais, il est quand même magnifique, hein. Surtout que le fond d'écran est toujours le même, hein. Bah évidemment. Ils auraient au moins pu se diversifier pour les images. Ouais, au moins foutre une espèce de petite merde animée en bas avec laquelle on peut faire le con. Ouais, ça aurait été Pour nous pas mal. amuser un peu, ouais. Ah, tu sais, un mini-jeu en temps de chargement, ça aurait été cool. C'est ça. Parce que vu qu'ils sont longs et qu'ils sont assez récurrents. Surtout qu'en plus c'est un jeu Bandai Namco et ils aiment bien faire ça, donc Ouais, c'est ça, ils adorent faire ça. Donc, bon. Alors, je sais pas. Alors, déjà, je vois pas Louis, je vois pas Yakumo, je vois pas Mia. Où est-ce qu'ils sont? tous au sauna. Ouais, peut-être. Il y a personne dans la chambre, ah bon. Attends, il y a un truc ici? Ah oui, il y a une autre chambre ici. Alors, quand Mia n'est t'es à pas la là. base, si tu veux être sûr de ce que tu dois faire, dans la salle principale, c'est là où il y a Yo et tout ça. Ouais. En face d'elle, t'as un tableau. T'interagis avec le tableau et il te dit précisément où est-ce que tu dois aller. Ok, bah on va aller voir ça. C'est pratique, n'empêche. Bah, j'étais même pas au courant en Précisément, fait, donc. dans les grandes lignes, ils te disent ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Bah, j'étais pas au courant, je savais pas qu'il y avait ça, donc merci pour l'info. Ah, bah, Mia est là, j'ai vu Mia, mais j'ai toujours pas vu où était Lou. Ah, Louis, il est là-bas! Là, Louis, il est là! Et Yakumo, il est où? Il est là! Ok, c'est bon, on les a vus. Oh, tu les as pas perdus. Bah, non, mais je cherchais après parce que je voyais pas où ils étaient. Alors, objectif suivant, chercher la porte qui mène à l'héritier. Bah, voilà. Voilà, tout simplement. Est-ce que si je parle à mes amis, ça déclenche une scène? Je sais pas, on va voir. Ouais, on s'en fout. Donc là, elle nous parle de Nicolas. Toi, tu dis quoi? Ouais, on s'en fout. Donc, ok, bon, ok. Bon, bah, donc, on va retourner dans un temps de chargement. Oui. Ouais. Et on va retourner à la pousse. Alors, attendez. Ici, il y en a une. C'est vrai que c'est pratique quand même qu'on voit où elles sont. N'est-ce pas? Au moins ils sont pas trop puces, ils ont quand même fait en sorte qu'on puisse savoir où il faut aller tout de suite. Ouais. Non, parce que si en plus tu dois chercher. Ouais, Non, mais. surtout que dans la cathédrale en plus, c'est pas la meilleure zone du jeu pour cacher des portes, hein. Non, c'est même la pire zone du jeu. Voilà. Mais donc il y en a deux dans la cathédrale, mais elle est où la dernière alors? Il y en avait quatre d'héritiers. C'est pas ce qu'ils avaient dit ou alors je me suis gouré? Si, c'est ce que j'ai dit. Ok. Donc il n'y en a aucune après. Juste, il est quelque part caché, il avait envie, tu comprends. Ok. T'inquiète pas. Ah oui, je m'inquiète pas. C'était juste une réflexion que je m'étais faite. Est-ce que je prends des... Continue à te faire des réflexions et à te poser des questions. Ah oui, C'est c'est le but, parti. hein. Je peux prendre qu'un niveau. Bon, on va attendre un petit peu alors. Ok. Allez, ouvre la porte. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Bon. Y'a un putain Ok. d'ascenseur! C'est la con! Putain de merde! On s'est fait chier à l'escalader, y'a un ascenseur! Ah merde, les explosifs ne marchent pas. Au revoir, Mia! J'adore ce Ah, truc. et toujours tes cheveux qui... Ouais, qui défient la gravité. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça dans un ascenseur, les mecs.
Ou alors l'ascenseur descend plus vite que prévu, mais bon, voilà. Non, mais il se passe des choses délicieuses avec la gravité dans ce jeu. Ah oui, oui, magnifique. Hein. Si vos ascenseurs, ils font ça au Japon, faut s'arrêter. Alors, surtout qu'un truc qui est... Il y a des gens qui font ça. Alors, un truc qui est génial, c'est que... Un truc qui est génial, si vous l'avez peut-être vu, mes vêtements, eux, ils bougent, mes cheveux, ils sont fixes. Hein. Ils sont en l'air, mais ils bougent plus après. Hein. Ouais. Donc, non seulement il défie les lois de la gravité, mais il défie les lois tout court, en fait, de la physique. Non, mais la physique, ça se mange. Un appareil, ça m'empêchait de bouger. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule? C'est pas ici qu'il fallait venir avant? T'es où là? Bah. Fallait aller à l'autre porte avant? Ah, mais je vois où t'es. Oui, t'es pas du tout parti à la bonne porte. Bah, attends, je savais pas qu'il y avait un ordre, moi, putain! Ah bah évidemment que si, il y a un ordre. Sinon c'est pas marrant. Mais il me fait chier. T'as cru que t'avais des libertés. Mais, bah ouais, bah oui, excuse-moi de croire que j'ai des libertés. Je vais quand même pas être obligé de faire un rire de Freezer pour me moquer de toi. Si, vas-y, fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Ou alors le fameux Moodadayu. C'est ça. Moodadayu. Canard. Mais bon, bah, hey, désolé, c'était la première qui a... Attends, non mais le jeu! Tu te fous de ma gueule là! Ah quand même! Putain! J'ai eu peur en plus! Putain, mais c'est une blague! Je me dis, je suis pas au bon endroit, je peux pas ressortir, mais tu te fous de ma gueule en plus le jeu! Oui. Jusqu'au bout quoi! Oui, je disais, c'est la première qui apparaissait dans la liste de la cathédrale, moi je croyais que c'était là qu'il fallait aller! Donc, c'est pas celle-ci alors, c'est celle-là! Et si c'était pas celle-là, je sais pas ce que je fais au jeu, mais je vais lui faire en tout cas, ça c'est sûr. M'en veuillez pas, j'aime bien Code Vein, mais pour des trucs comme ça m'énerve. Allez, ouvre la porte. Ah! Il y a une pousse mauve. C'est nouveau ça. Ouais, il y a une pousse mauve. Bon bah allez hein. Oh, c'est beau, c'est move. Téléportation, ok. Déplacez-vous jusqu'au point correspondant. Bah alors, je sais pas c'est lequel, donc je sais pas trop où je vais aller. C'est ça, je sais pas où je vais aller, mais ok. Vous êtes paumé. Ouais, je sais. Voilà, troisième temps de changement, bam. Décidément, ce sera ça le titre de l'épisode, temps de chargement. Ouais, bah fais gaffe. Une fois, un temps de chargement. C'est ça. Non mais j'aime bien, tu t'ouvres une pousse, elle te dit, veux-tu aller au point de téléportation? Bah je sais pas où je vais atterrir, mais oui, parce que j'ai pas le choix de toute façon. Voulez-vous continuer le jeu? Ouais. Non, ouais. Vous arrivez devant une porte, voulez-vous ouvrir la porte? Non, je vais camper devant. Elle est jolie, cette porte. Ouais, très. Voilà, bah là c'était une très jolie pousse mauve, on allait continuer à la regarder pendant un moment. Ouais, voilà. Je vous propose une vidéo de 30 minutes pendant laquelle on regarde une pousse mauve. Ouais, elle est belle en plus, hein, franchement. Ah oui, oui, bon. Non, mais elle est très jolie, y'a pas de soucis. Ah, c'est pas le truc que voulait voir Mia? Oh putain, je vois pas grand chose par contre avec la neige. Je vois rien, dommage pour le décor, mais je vois rien. Oui, au passage. Appel de détresse. Voilà, fais-moi vivre. Du verbe vient de rire, évidemment. Oui, bien sûr. Verbe du troisième groupe, hein. Évidemment. Toujours. Oh, par contre, je vais m'arrêter là, je crois qu'il y a un monstre qui m'attend. On va attendre que Yuri arrive. Merci. Il trouve aucun signal de... Comment ça? Quoi? Attends. Il trouve aucun signal. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, comment ça? Pourtant, tu l'as envoyé, on est d'accord. Oui. Attends, je tente un truc. Oui, je l'ai envoyé. Est-ce que Code Vein fait encore chier? Mais attends, je change de zone, parce que du coup, tout à l'heure, pendant que tu regardais la cinématique et qu'il se passait des tas de choses incroyables, moi j'étais en train d'arpenter la zone du nouveau DLC. Ah ouais, donc évidemment, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, ouais, c'est possible. Et parce que Code Vein est à Tillon là-dessus. Hein. Popo, Poupou. Comment t'es passé d'une cathédrale où tout allait bien à... Un putain de truc de neige. Je me suis téléporté, donc je sais pas où je suis. Okay. Et ta gueule, c'est magique. Voilà, j'ai pas pris un tunnel, j'ai pris un sort de téléportation.
Si tu veux parler en Harry Potter, j'ai transplané je sais pas où. Voilà. J'ai pris un porte au loin. Je sais pas où je suis. Je suis paumée. Et j'ai froid en plus. Et je me gèle les couilles. Ah, ça y est, ça marche. Écoute, je suis perdue et je me gèle les couilles, donc... Il va y avoir Voldemort qui va débarquer et te transformer en vampire qui brille. Il y a de grandes chances. Ah ouais, on fait des mix, là. On est bien partis. Hein. Non mais vous vous rendez compte, ça fait 10 minutes qu'on joue, ça fait 10 minutes qu'on dit des conneries. Hein. C'est leur faute. Bon, Yuri, où es-tu passé, bordel de merde? Dans un temps de chargement, Encore? Pourquoi tu me poses la question? C'est vrai que c'est une question à la con, évidemment. Évidemment qu'il est dans un temps de chargement. Bah, évidemment, je suis Tiens, toujours d'ailleurs, dans un temps de chargement. la question, puisque c'est dans le DLC, comment on fait pour cacher le voile de sang? C'est une très bonne question. Bon, parce que. J'imagine que ça doit être dans les options quelque part. Mais parce que le nouveau DLC a fait ça, donc juste par curiosité, comment on fait? Je sais pas si c'est Vu qu'ils dans. sont moches. Je sais pas si c'est dans l'inventaire ou quoi que ce soit, mais j'en sais rien. Alors attends. Je sais pas. Bon, on s'en fout. On regardera ça en off, c'est pas important. Ouais, j'imagine que ça doit être dans les paramètres du jeu quelque part, mais on s'en fout. Bébête! Bébête! Bonjour. Au revoir! Des bisous. Oui, beaucoup. Ah, hop. Non, mais celle-là, elle est fermée. Mais on va par où alors? Viens avec moi. Ok. Ça va beaucoup que je reste ici alors. Il y a un truc en bas. Il y a un passage en bas. Y a un passage en bas. Ouais, il y a un passage en bas. Attends, je me bats avec un chien et je regarde. Oui, j'ai vu ça, que tu te battes avec un chien, je l'ai vu. Ou alors c'est de en bas que je venais, c'est possible. Ouais, je venais d'en bas en fait. Je venais d'en bas, c'est bon. Oui, c'est de là d'où tu viens. Oui. Excusez-moi, je découvre la zone en même temps, donc faut pas m'en vouloir. Hein. Y'a rien là? Ok. Alors, avance pas trop vite. Faut non, je. Et après, je te montre un truc. T'inquiète pas, j'explore en même temps. Ou qu'ils sont moches. N'est-ce pas? Pas comme ça, c'est comme ça. Ah, purée! Mais dégage! Vous êtes moches, les mecs. Bon. Est-ce que. Oui? Ok. Non, je viens de voir des FX qui partaient de nulle part, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Bon, tu vois là? Ouais? Vas-y, saute. Ah, j'ai vu le groupe, le code sanguin, ouais. Pas le vestige. Ah ouais, vas-y, je te suis. Ah, il me fait mal par contre. Bah oui, mais parce que t'es sauté tout en bas. Bah ouais, bah oh, j'ai plus rien, j'ai pas vu l'autre planche, donc. Ok. Ah, Fionn, c'était pas celui de Michael, justement? De Nicolas, si. De Nicolas, ouais, pourquoi j'appelle Michael, moi? Qu'est-ce que. Qui m'a tapé? Bah, le monstre qui est derrière et dont Mia s'occupe pour l'instant. Ok, j'avais pas fait gaffe qu'en fait le monstre au-dessus nous avait suivi. Salaud. Salaud! Avance pas trop vite, y'a deux monstres énervés plus loin. Bah, passe devant. Regarde, ça, c'est quoi ça? Caché. Je suis caché! Et là, t'as mes viewers qui font. Tu parles d'un personnage principal, il se cache tout le temps. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on reste en vie en même temps. Spoiler, vérité, je suis le personnage principal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on reste en vie, hein. Oui. Allez hop, une petite carte. Voilà. J'ai ramassé un truc, voilà. Active. Ah, pas mal ça. Enfin, je peux pas l'utiliser puisque je suis en multi. Et voilà. Ok. Et on est revenu au début. J'avais compris, merci. Mais je dis ça pour les viewers qui n'auraient pas compris. Je suis sûr qu'il y en a qui n'avaient pas compris. Il y a des chances. Non, on n'a pas dit que. Dans cette zone, fais très attention parce qu'il y a des endroits, alors pas tout de suite, mais un petit peu plus loin, où le sol c'est juste de la glace à la cou. Et si tu marches dessus, tu te vautres. D'accord. Et tu meurs de décès. Ah merde, j'étais en train de me dire si c'est juste pour voir Tsuki se. Merde, je suis mort! Merci, merci Mia. Putain, mais comment j'ai pris une explosion dans la gueule. Ça m'a one shot en fait, oui. Littéralement. Oui, le truc est un kamikaze, c'est fabuleux. Magnifique. Tiens, regarde, viens ici. Ah ouais, je l'ai vu. Glace, hein. Ah ouais, putain, c'est vicieux, faut le voir quand même. Quand vous courez, quand vous allez trop vite. Voilà.
J'ai cru que t'étais tombé. Ça, c'est Ah pour si. moi, ça, comme ce genre de piège. Oh bah pour. Eh, Je sais plus. littéralement, pour moi aussi. Forteresse de l'hérisson. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un voile de sang, mais. Nul. Ouais, complètement. C'est de la merde. En plus, il est lourd. Oui, et en plus, il me semble qu'il est moche. Attends, je l'ai pas essayé. Attendez. J'attends qu'elle s'occupe de ça. Enfin, elle, il. Voilà. Alors, voyons. Je vais l'enfiler un instant pour voir. Ah ouais! Ah, ça fait mal! Ça pique! C'est le cas de le dire, ça pique! Je confirme cette Tu vas tâche. finir, tu vas mourir empalé par ton propre manteau. Ouais, c'est ça en fait! Si je me colle à un mur, je reste accroché en fait! C'est ça. Là, t'as pas intérêt à pencher la tête de chaque côté pour te craquer la nuque. C'est ça! Et t'as pas intérêt à regarder trop à gauche ou à droite, hein? Tu risquerais de perdre un œil. Tout droit ou à gauche? Tout droit. Tout droit. Nous suivons la connaisseuse. Le Voilà, tout connaisseur. droit pour récupérer les bidules. Ah oui! Un vestige! Voilà. Vas-y, prends les bidules. Et t'as failli mourir. Non. C'est pas vrai. Non, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Tu mens. Non, c'est pas vrai. Je suis pas allé aussi près du bord, c'est pas vrai. Tu mens. Ouais, bien sûr qu'il Où vont ment. tes très chers? Tu vas où? Je sais pas, par là. Non, en fait, j'avais vu un truc, mais après, j'ai vu qu'il y avait un mur, en fait. Je me suis dit, non, c'est l'autre côté qu'il faut la voir. En tout cas, il y a du monde, hein. Il est mort de blessé. Bonjour. Oh, purée! Non, fous-moi la paix! Tu m'as pas vu! C'est pas vrai, tu m'as pas vu! Je suis pas là! Comment ça? Ah, Vous mais. voulez Hein. tous battre, vous Ouais, comme mais ça? ils ont des baïonnettes, donc. Non mais ça suffit. Mais vous faites mal, les mecs! Non mais vous faites chier. Ouais, ça même pas vous faites mal, c'est vous faites chier en fait. Oh la belle, oh la belle rouge. L'autre il dort, donc on ira chercher après. Oui, on ira lui faire la peau après. Alors il y a une pousse ici. Bon, la pousse d'abord. Voilà. Alors, je suppose qu'on va aller par là d'abord. Donc, tu vois par là? Quoi? Là, devant moi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Eh bien, on n'y va pas. On y va. Non mais, en fait, ça c'est du color du crash. Je fais, tu vois ce chemin-là? Ouais, je le vois. Bah n'y va pas! Bah pourquoi tu me le montres alors si je dois pas y aller? Justement, pour pas que tu y ailles. Mais on va y aller. Bah j'allais pas aller par là parce que je voulais aller par là. Un truc. J'ai entendu un bruit. Tu as entendu un bruit? Non, je crois que c'est ton personnage quand elle a lancé son sort qui parlait en fait. Ah oui, c'est possible. Non, parce que comme pour les vestiges, il y a la voix du personnage, du souvenir, tu l'entends. Et comme j'ai entendu une voix, je me suis dit, il y a un vestige ici? Ah mais non, c'est Yuri qui parle en fait. Oui, ça se trouve, c'est moi qui parle quand je balance Ouais, des hits. c'était sûrement ça en fait. Alors attention, il y a des boules magiques. Il y a des boules magiques. Comment c'est les boules magiques? Oui. Regarde, la boule magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs moches. C'est les mêmes trucs qu'il y avait dans l'eau. C'est ça. Ouais. Ah. Pour une raison qui m'échappe, ils aiment bien cette boule magique. Là, j'ai l'impression. Un mob chiant, donc du coup, ils aiment bien. Bah Bonjour. Ah évidemment. non, c'est le mob de merde. Ah! Putain! Bah évidemment, plus un mob est chiant, plus il est. Yuri est morte. Ça va, Mia l'a ramené à la vie, ouf. Alors ça, c'est le pire mob de la zone. Si tu le dis. Non, non, non. Mais vous êtes moches les mecs, c'est pour dire, mais. Bon bah Yuri est encore. Alors Yuri n'est pas vaincue encore. Elle va mourir si ça continue, mais. Ah! Et bah moi je suis mort par contre! Il s'est suicidé avec moi! Il s'est dans le trou avec moi! Attaque kamikaze! C'était donc le pire mob de la zone. Félicitations. Eh non, mais l'attaque kamikaze elle était pas mal par contre! Félicitations, tu n'as pas survécu. Ah bah non, dans le trou j'allais avoir du mal! Voilà, je renvoie l'appel du. Félicitations, vous êtes morte de décès mortel. Ouais, Oui. voilà, j'ai renvoyé la truc, l'appel de détresse, donc tu peux revenir. Enfin, c'était pas. C'était. Quand tu seras plus dans le temps de chargement. Bien, pour l'instant, je suis dans le temps de chargement, évidemment. Justement. Et le temps que tu reviennes, tu seras dans un autre temps de chargement. Évidemment. Temps de chargement à l'infini. Ah oui, non, mais ça va être le titre de la vidéo, hein. Temps de chargement. J'aime les temps de chargement. C'est faux.
Mais qui est le temps de chargement? Voilà, mais donc oui, ce mob, c'est le pire de la zone, parce que le bordel, il tape super fort, il se fout une espèce d'armure de glace qui le rend ultra résistant, D'accord. c'est terrible. Je lui fais quasiment pas de dégâts. Ah ouais, donc c'est toi qui lui fais pas de dégâts, faut pas demander moi. Oui, tu vas pas faire grand-chose. Tu sais, c'est un peu comme si une mouche venait taper un lion. Ouais, c'est ça. Ah là là. Éventuellement, peut-être tu vas l'agacer un peu. Ouais, c'est C'est ça, pas très grave. c'est ça, je vais plus l'énerver que vraiment lui faire mal en fait. C'est ça. Ah là là. Non, mais ce mob, c'est une purge. Et il y en a genre 3 ou 4 dans le niveau. Bon bah maintenant faut que je récupère mes nuées, hein, puisque j'ai perdu mes nuées à cause de ce con. Voilà, donc je t'invite à rester bien derrière moi pendant que je tente de m'en occuper. Bah j'étais derrière toi techniquement, mais je sais pas Il ce y qui a s'est plus passé. encore. Je sais pas ce qui s'est passé, il m'a chopé et il a sauté dans le trou avec moi en fait, donc je suis derrière toi, je te suis. Enfin là techniquement je suis devant Fais toi, mais attention à bon. la boule magique. Oui, la boule magique, je te laisse passer devant techniquement, voilà, elle est là la boule magique. La boule magique. La boule magique. Oh, la boule magique. La boule magique. Bon, je te laisse avancer parce qu'il est derrière. Alors je te laisse reculer parce qu'il est derrière. D'accord. Voilà, j'ai reculé. Ah, parce que mentir plus qu'il nous lance encore un truc à travers la gueule et que ça se passe mal. Voilà, j'ai reculé. Plus encore. D'accord. Je recule encore. Bonjour. Il est Qui quand te même. capte pas? C'est vrai qu'il est quand même énorme, putain. Le but, c'est qu'il capte pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Non mais le problème c'est que Mia elle tire des boules de feu, elle est à 2 mètres de moi tu vois, donc si elle le cap s'il la capte elle c'est pas une bonne idée Elle ça. tombe à 4 mètres. Et il a refoutu son armure de merde. Ouais, je la vois. Enfin je vois l'icône. Non! Putain! Connard! Non! Bon bah vous verrez pas le combat parce que je dois rester derrière le mur, sinon je prends les boules de la glace dans la gueule. C'est Voilà. bon, il est mort. Ouf! Putain, j'ai pris. Putain de saloperie de Putain, merde. j'ai pris une boule de glace dans la gueule. Alors, mes nuées, elles sont là, voilà. Je peux quand même les récupérer parce qu'il y en avait quand même presque 80 000, donc ça aurait fait chier. Alors, pas le trou, voilà, juste ça. Ok. Alors, une échelle, quand tu fais un temps pareil, c'est hyper dangereux, hein, techniquement. Oh! Boule magique! Et hop, la boule magique. La boule magique. Non, mais je rappelle que si je laisse Quentin faire tout le taf, c'est que Quentin est level 300. Hein. Oui. Je suis même pas level 60, moi, perso. Hein. Voilà, toi t'es niveau un peu, moi je suis niveau beaucoup. Voilà! Non, toi c'est le niveau ultime. Enfin, à moins que le DLC ait encore ajouté des niveaux, mais je pense pas. Je crois pas. Ah bon? Moi j'aime pas. Moi personnellement j'aime pas, hein. Surtout dans la neige en fait. Oui, mais tu t'appelles pas Jean. Bah oui, pas c'est. remarqué qu'elle avait un putain de nœud derrière son truc en son chapeau en fourrure, elle. Ouais, elle a un nœud. Bah, quand on dit à ton petit frère, je peux faire en sorte de sauver ta sœur, bah voilà. C'est la réplique, hein, vous Ça entendez? pourrait. Fais attention, ça pourrait être un piège. Non, tu crois? Il porte pas de masque ni rien et c'est normal pour toi? Surtout qu'il a une gueule de camé complètement. C'était quoi cette tronche, franchement? Une hallucination, il fait trop froid, allez vous réchauffer. Je Non, t'ai mal Mia! tenu de barrer. Ah, un vestige. Non, tu Bah, vous crois? devriez avoir la. S'il arrive avec les autres, mais pourquoi celui-là serait différent? Oui, vous devriez avoir l'habitude depuis le temps quand même. Non, mais ne me touche pas, toi! Elle veut venir. Je vais venir, mais t'es à côté, t'as pas besoin de me toucher, hein. Oui, techniquement, même si vous êtes à côté de moi, vous venez quand même, donc me Tu touche sens pas. mal, toi. Ah.
Ah, il devait servir de... d'héritier ? Oh, mais en même temps, il a quel âge ? 6 ans ? Un truc comme ça, ouais. Je peux pas te tutoriser, mec, tu parles à un gosse. Ou pas. Ouais, ou pas. Ça, c'est une chute un peu menu, c'est pas grave. Il pouvait juste faire un double à la Naruto, tu vois. Oui. Bah en même temps, il l'a peut-être déjà fait, hein, parce que s'il est devenu un héritier, c'est un peu ce qui est arrivé techniquement. On va voir. Ouais, j'y crois un petit peu. J'y crois pas à ton côté gentil à toi. Hein. Ouais, disons que c'est sympa de dire ça, hein, gosse. Ouais, mais tu le sens qu'on n'y croit pas du tout en fait. Hein. Oui, mais bon, ça reste sympa. Mmh. Disons que je vais me contenter d'observer et de réagir. Ah, voilà, il l'a fait, c'est bien ça. Évidemment qu'il l'a fait, il a 6 ans! C'est ça. En même temps, dès qu'il a parlé de « Est-ce que je pourrais faire un double de moi ?» Je fais « Ah !» C'était évident. « Mia ! Nicolas est en vie !» Le vrai, cette fois. Non, mais elle savait pas que c'était un double, donc pour elle, c'était le vrai qui est mort. Dans les nouvelles aventures du petit Nicolas... Ça, putain, ouais, le petit Nicolas. Oh, putain. Oh, elle est pas mal bien trouvée, celle-là, par contre. Oui, c'était un réplica. Ouais, il était déjà un héritier. Ou même un réplica. Ou même un réplica, même, ouais, au point où on est. Ouais. Ceci explique cela. Mais voilà le bon côté des choses, ça veut dire qu'il est encore en vie. Juste derrière ce truc. C'était le but. Mais arrête, Mia, ça veut dire qu'il est encore en vie. C'est une bonne nouvelle. Non, tu crois? Non, je crois qu'il est juste derrière, en fait, techniquement. Techniquement, oui. Waouh, c'est beau! Alors, si vous... Alors, le premier qui chante libéré, délivré, je le tue. Hein. Oui? C'est quoi qui fait ce bruit-là? Ok. Yuri, tu es là. Ok. Ah, il y a une poupousse. Ok, je prends la pousse. Ouais. Et j'ai vu un truc qui brille. Oui, mais il y a toujours des trucs qui brillent. C'est vrai. Mais attention, dans cette zone... Y'a des trous? It's a trap. It's a trap? It's a trap. Ah, là j'en vois une, ouais. Ah, putain! C'était pas un trou, c'était un monstre. Ah non, y'a pas que des trous, y'a aussi des meubles planqués dans la neige. D'accord. Fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Je sais pas où se mettre avec tous ces monstres. C'est ça, je sais pas où me mettre. Je t'invite à arrêter de courir dans tous les sens. Oui. Bah, c'est compliqué quand y'en a qui me courent au cul, hein. Je sais. Bon. Hop. Celui-là, je l'ai vu glitcher et tomber du plafond. Ah, moi, je l'ai vu sortir du sol, mais bon.
Elle meurt, agonise et meurt. Voilà. Non, il est vraiment un robot. J'ai cru voir un robot. Devant. Je sais pas, peut-être. J'arrive pas à voir. Je sais pas si c'est un dôme ou une tête de robot en fait. Bah, il y a un dôme là-bas, mais alors. Et D'accord, c'est le. là qu'un pauvre Ranger qui débarque durant le combat. Alors, s'il y en a un, je commence à Un chanter. désordre avec tous les héritiers, passe pas là-dessus. Oui, j'avais compris, si j'allais pas y aller, j'avais compris. Alors, s'il y a un Megazord qui sort, je chante le générique de Power Rangers, hein, je vous le dis clairement. Oui, Ah, purée, m'en doutais, je l'ai vu arriver celui-là. Ah, putain, il y a un deuxième. Il y a un troisième! Je suis encerclé! Je vais mourir! Je suis mort. elle marche partout et fait bouffer tous les mobs. Mais t'es gentil, moi je fuis les combats! Putain, je me fais encercler, c'était magnifique. Vous le sentez que ça va être long? Ouais. Bon, j'ai renvoyé l'appel de détresse, tu peux revenir quand tu seras plus en temps de chargement. Récupère tes nuées aussi. Ouais, mais je vais pas y aller seul parce qu'il y a les mobs qui m'attendent là-bas. Deux voix. C'est tellement ça, putain. Ah, c'était génial. Bon. Un jour, le temps de chargement. Un jour. Alors, rechercher le signal. Et on va re... Ensuite, deuxième temps de Ah, chargement. c'est ça. Je ne suis plus dans ton chargement. Je recherche le signal et je retourne dans ton chargement. Un jeu, un temps de chargement. Un jeu, un autre temps de chargement. Waouh. Est-ce qu'il y a un jeu dans ce temps de chargement? Non? On va faire une pétition pour que le Code Vein installe des mini-jeux dans le temps de chargement, pour nous occuper le temps qui passe. Tellement. Bon, sinon, je vais juste réitérer mon conseil pour la 3000e fois. Reste en Petit, arrière. reste derrière moi, s'il te plaît. D'accord, je resterai derrière toi. Mais pour que je reste derrière toi, faudrait que t'avances. Je peux pas avancer et me battre en même temps. Si tu triggers la moitié des mobs de la zone, je fais quoi? Oui, mais le problème c'est que je peux pas rester derrière s'il y a un mob qui me saute sur la gueule aussi. C'est ça le problème également. Je veux bien rester derrière, mais bon. C'est pour ça qu'il faut que tu me laisses avancer d'abord. Eh ben avance! Maintenant que t'es là, avance! Mais je cherche celle-là, je Mais l'ai tapée. je t'ai pas. Je vais Ben. la laisser se démerder par tous les mobs. Mais je t'ai pas. Eh! Le personnage! Je t'ai pas cherché, je t'ai trouvé! Il n'ose plus rien dire maintenant. Oh putain! Le loup! Et pourtant, je suis resté derrière là, hein! Voilà. Tu vois, ça se passe beaucoup mieux déjà. Mais Je dis ça, moi. mais tu le sais que j'ai raison. Oui, moi aussi je t'aime. Bon, c'est quoi? Je vais me planquer derrière l'arbre. Si c'est un arbre. Peut-être pas si c'est un arbre, mais bon, on va dire que oui. On dirait Godzilla de dos un petit peu. On va dire que ça fait semblant d'être un arbre. On dirait Godzilla dedans! T'en as d'autres, des références à la con? Ah, tu sais. Déjà que l'espèce de palace, ou je sais pas trop ce que c'est, qui nous attend avec le. Enfin, de donjon, on dirait un truc de hentai. Oui, pourquoi pas. Tu disais, Yuri? En voyant pas ce que je fais, c'est beaucoup plus compliqué. Je fais peut-être un peu trop des fixes en fait. Non, tu crois? Donc, en ce moment, Quentin est à nouveau dans un temps de chargement. Écoute, pour une fois que c'est moi qui meurs. Attends, je t'ai vu tomber en plus. Hein. C'est même pas que Oui, t'es moi mort, aussi. c'est même pas que t'es mort, c'est que t'es Ouais, tombé j'ai en vu fait. tomber aussi. Non mais au moins, je t'ai vu tomber. Donc tout le monde t'a vu tomber. En fait, C'est on ce qui t'a. se passe quand on se bat sur des plateformes ridicules contre des ennemis beaucoup trop gros avec des FX à la con. En fait, honnêtement, on t'a vu combattre et tout d'un coup on a fait. Bah, elle est passée où? Oh,
un trou, dans le trou. Rassure-moi, le pub est mort au moins. Oui, le mob est mort, t'inquiète pas. J'ai pas fait tout ça pour rien. Non, non, sinon tu m'entendrais crier pour m'enfuir en fait. Non, non, le mob est mort. Bah, du coup, je vais tomber en gueulant. Ça valait le coup! Je Honnêtement, si j'arrive à le placer, le cri de Willem, je le place. Oui, je veux. Faut juste que je trouve pour le télécharger en fait. Mais je vais le placer, ça c'est sûr. Bon, ça doit être facile à trouver, je Ah pense. oui, je vais le trouver, faut juste que je le trouve. Bon. Ouais, Pendant ce temps, dans la dimension du temps de chargement. mais le chargement il est chiant parce qu'on a déjà 35 minutes et je voudrais bien avancer en fait. Je suis pratiquement sûr qu'il y a eu au moins 15 minutes de temps de chargement depuis le Oui, il y a de début. grandes chances, hein. D'ailleurs, si possible, je vais essayer de les couper pour la vidéo finale. Oui. Il n'y avait pas encore un mob dans le coin là-bas? Bon, on s'en fout. Je sais pas. Mais... Si, si. Non mais arrête de rouler du con! Lance la boule! Bah, il a pas roulé. Merci. Il a pas roulé, je sais pas de quoi tu parles. Non, mon perso qui arrêtait pas de faire des roulades parce que Ah! je voulais lancer un sort. D'accord. Bon, par où? Parce qu'en fait là on est sur une plateforme, donc par où? Je les vois pas mais j'imagine qu'il y avait des bignots à ramasser. Oui, j'ai tout ramassé. Voilà, les bignots étant ramassés, maintenant faut faire le tour. D'accord. Et qui... Voilà, je te laisse passer. Oh, il y a encore une saloperie là-bas, je le vois. Plus de 5000 de dégâts quand même. Vous comprenez pourquoi c'est Quentin qui joue avec moi? De quoi t'as dit? J'ai dit plus de 5000 points de dégâts. Vous comprenez pourquoi c'est Quentin qui joue avec moi? Oui. Ah, je Oui! suis C'est de lui que je parlais! Oh putain! Il est moche! Oui, il est moche. Mais il est agile pour un moche! Ouais, il est rapide, hein. Bah, il est rapide, il fait mal, il a une armure. Il est chiant, quoi. Putain, mais il fait chier jusqu'au bout, Oh ce putain, oh mob. putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh Oh putain! putain! Je suis fait super mal. Dégage! Ouais, dégage! Ah ouais, en effet, 109 points de dégâts par rapport aux 5000 que t'as fait tout à l'heure. C'est un peu un nouveau level de bataille de boule de neige quand même, hein. Ouais, bah là c'est... Tu vois, putain! Dans le trou! Dans le trou! Et après, on parle de moi! Non, 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 mais y a Quentin, mais le monstre aussi, en fait! Le Tant monstre mieux, s'est alors. cassé la gueule? Oui! Il t'a suivi dans le trou, en fait! Bon bah ça valait le coup, deuxième Ça édition pour lui. valait le coup! Bon, bah, il y aura Si au deux... moins réussi à... Si j'ai au moins réussi à attirer l'ennemi dans ma chute, Bon c'est bah, bien. il y aura deux cris de Willem dans cette vidéo. Oui. Ah, un Ah non, vestige! déjà, de base, ce mob il est horrible, mais combattre ce mob sur une plateforme de merde comme ça. Ouais, t'étais littéralement, on était littéralement sur un pont en fait, donc putain. Oui, c'est ça, y a rien qui te retient, tu tombes. Et tout. Tu tombes et tu. Ah putain, mais elle me pousse cette conne! Non mais attends, à 10 cm près, Miam poussait dans le vide en fait! Sale traître! Je le savais que t'étais un Judas! Si c'était pas le coup que les PNJ peuvent te ressusciter, je te dirais presque de les enlever. Ouais, c'est ça! Je te jure, parce qu'en fait, j'étais venu voir un peu. Ah, mais c'est ça! Ce que je dis, j'entends la musique de monstre, mais il y a deux loups en fait de l'autre côté du trou en fait, c'est pour ça que j'entends Y a la des musique. hirches un peu partout aussi. Mais c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi est-ce que la musique fonctionne encore en fait? T'as mes Mia Judas de. À cause de toi, j'aurais pu tomber dans le trou quoi. Judas Mia! Bon, en même temps, c'est pas trop grave si la vidéo était un peu plus longue. Celle d'avant faisait que 30 minutes et il y avait que des cinématiques donc. Oui. Alors que là, il y a du gameplay. On Ouais, meurt, c'est mais il y a du ça. gameplay. Ouais, il y a des morts, mais il y a du gameplay. Ah, je suis dans le temps de chargement, mais j'entends la musique de baston. Donc tu vas arriver, voilà, je te vois. Ok. Alors, ils sont où les hinches? Non, ils sont de l'autre côté, là. Tu vois, de Alors, l'autre côté du j'ai trou. atterri dans quel sens? On est où? De l'autre côté du trou, Qu'est-ce là, qui t'arrive? dans le trou où t'es tombé. Non mais, regarde-moi! Putain, ah! Alors, je vous explique ce qui vient de se passer.
quand tu m'as dit de te regarder, j'ai arrêté de bouger, j'ai vu mon personnage avancer, tu sais, en étant en position fixe, et tomber dans ce trou. Ça en descend de très très bien de ton point de vue. Ah oui, c'était magnifique. Parce qu'en fait, honnêtement, je t'ai vu traverser, j'ai vu la plateforme tomber, je t'ai dit non mais regarde-moi, t'es retourné, t'as avancé, hop, dans le trou, je fais hop, merde. Et en fait, moi je suis là, je fais merde, j'aurais dû me taire en fait. C'est ça. Je te dis, avec le micro lag, je me suis vu avancer en étant debout, comme si mon personnage y glissait. Et tu m'as dit de me retourner, je me suis retourné, et hop, j'ai atterri sur le truc de place. Ah, c'était magnifique! Au moins, c'était drôle. Ah oui! J'avoue, surtout qu'en plus, j'avais la caméra vers toi, donc on t'a vu tomber encore une fois! Oh putain! Je crois que je serai jamais autant mort dans un épisode de Cat. Mais en fait, c'est que tu dois me remplacer. Moi, je tombais dans les trous, je peux pas jouer, donc tu le fais à ma place. Voilà. On a un bon remplaçant pour Poussin, qui tombe dans les trous aussi. Sauf qu'à la différence, moi, je peux tuer les monstres. Par contre, maintenant, on a un problème. T'as cassé la paroi, je passe comment? De l'autre côté. Quel autre côté? Attends, j'arrive. Allez, de temps de chargement. Oh putain. Bon bah il y aura un troisième cri de Willem dans cette vidéo. Ou alors il va falloir que je télécharge ce cri. La musique de baston. Il va se passer des choses, peut-être. Ouh. Bon, une fois que t'es là, tu ne bouges pas et tu me regardes. Ok, donc je suis là, je te regarde. Voilà, les loups ils sont là-bas, de l'autre côté du trou. Là-bas, de l'autre côté. Ah, ça! Bah, devant toi! Devant toi! Et je sais pas où ils vont. Ils sont sûrement derrière un arbre. Bon. Justement, il me semble que c'est par là qu'il veut passer. Eh bah, je te suis. Et je te laisse t'occuper des mobs. Attention, il y en a un derrière toi! Oui, je les vois. Est-ce qu'on peut qualifier ce monde de Bigfoot? Oui! J'y ai pensé dès que je l'ai vu en fait, personnellement, donc Ouh! Ça va? Ouais, ça va. Ouf, toi tu meurs. Le loup s'est pris une flèche dans le cul, littéralement. Comment ça? Je vous l'interdis. Mais bien sûr! Je ne vous permets pas, monsieur! Je ne vous permets pas de spawner spontanément devant moi. Veuillez mourir. C'est ça, je vous demande. Je suis pas assez bien payé pour ces conneries. C'est ça, je vous demande. Ah, parce que je te paye? Justement, hein. Ouais, c'est ça, c'est. Ah, je te paye? J'étais pas au courant. On n'avait pas parlé de ça. Je vous demande de vous arrêter. Oh putain! Ça va. Ok. Alors ça c'est pratique, t'as un combat qui t'attend et t'as une grosse plateforme de glace juste devant toi. Si tu fais pas gaffe, tu tombes dans le trou. Je sais. En tout cas, je vois le chemin pour arriver dans le sanctuaire, on va appeler ça comme ça. Hein. Pardon, ça s'appelle la crypte, c'est ça. Ah! Il y a eu quelqu'un! Fais attention, parce que je sais pas s'il n'y a pas encore des apparitions de monstres spontanées par ici. Par contre, on passe comment? Où est-ce qu'il y a le passage? Ah, là. Ok. Donc, vous l'avez vu? Je sais pas combien elles sont, mais... Oh, regardez! Voilà le mob, le boss qui nous attend. Nicolas! Ok, je te suis. On va arrêter de faire l'andouille, je te suis. En bas ou en haut? Alors attends, parce que là déjà, il y a des hinches. Oui, ce serait con qu'il nous ait par derrière. Voilà. Donc maintenant, il va falloir aller par là. D'accord. Non, raté. Merci Mia. Ça fait partie des mobs que tu peux encore buter toi-même. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie.
reste bien en arrière, il y a encore un de ces gros enculés. Alors, comme je disais, je sais que je peux tuer moi-même, mais là je suis en mode spectateur. Moi je fous plus rien là. Ah, je le vois. Il est vraiment moche quand même, hein. On dirait que tout nous. C'est Zoidberg. C'est que tout. Non, c'est que tout nous. On va pas s'approcher trop parce que comme il peut lancer des projectiles de glace. Mais non, mais si tu fous ton armure dès le début, c'est de la triche aussi. Non, mais tu triches, ça. Oh putain. Je fais 5000 de dégâts, ils sont fous. Heureusement que j'ai le pouvoir de la reine qui est super pété. Tu m'étonnes. Non! Tu vas où, toi? C'est moi, ton ennemi. Ok. C'est une blague! Mia? Non, heureusement. Putain, Mia est à 20 km de toi, mais elle a réussi à te soigner quand même. Hein. Évidemment. Non, mais. Mais tu vas crever, sale bête! Mais merde! Je voulais s'imaginer des dégâts qu'il fait, hein, putain, ça y est. Ouh! Et t'as Yuri qui me regarde et tu fais, ça va tranquille? Ouais, tranquille, moi. Moi, je vais bien, moi. Je vais bien, moi. Tout va bien. Je sais pas s'il y a pas un milieu de la récupérer. T'es où? Je suis là. Ici. Là. Je préside. Ah, d'accord. Ok, c'est là où. Oui, je suis là. Ici. Ok. Donc, viens voir dans le creux, là. Je sais pas s'il y a pas un truc à récupérer. J'arrive. Mais je ne vois rien sur la map, donc apparemment, non. Ah, si, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Fragment de déchéance grand. Ok. Écoute, c'est toujours utile. C'est toujours utile, ça donne des nuées, donc oui. Il y a une pousse là-bas, je l'ai vue. Ouais, mais attends, parce qu'en chemin, je crois qu'il y a des débiles à tuer. Alors pas lui. Et un coffre. Qu'est-ce que c'est? Un manteau hivernal. Là, j'ai bien envie de voir à quoi il ressemble. Je sais pas si c'est pas le machin de Mia. C'est de la merde, mais... Ah, j'ai une capuche! Je ressemble à rien par contre. Je ressemble à rien. Ah ouais, non. Ah oui, là j'ai pas froid par contre, hein. Mais il sert à rien, il est complètement nul, donc voilà. Ah oui, oui, c'est de la merde. Ah oui, non, c'est de la merde en plastique, hein. En fait, ce serait bien qu'ils font ça dans le jeu Soul Worker, c'est que tu mets un manteau là pour les protections et un manteau esthétique. Ouais. Là, c'est bien. Bah c'est peut-être pour ça que maintenant justement il y a le fait que tu peux cacher ton voile de sang. Ouais mais tu peux voir tes frames de base alors que là tu pourrais avoir le manteau que tu veux en fait. Ouais je sais mais bon encore une fois, il y a un objet là-bas que j'ai pas récupéré, où est-ce qu'il est? Il est là. Fragment de déchéance, c'est toujours bon à prendre. Le drop du mob. Alors on descend l'échelle, voilà, et hop. Donc j'ai pris la pousse, c'est bon, je te suis. Ah! Attends, dans quel sens? Bah, il y a une sale bête là-bas déjà. Donc là, techniquement, c'est la sortie. Sauf qu'on va pas sortir pour l'instant. Bah, non, ce serait con. Bonjour. Ce serait con. Autant récupérer encore des nuées, hein. Oui, puis il y a des trucs importants à récupérer. Oui, il y a sûrement encore des vestiges et tout ça, donc. Oh! Bouboule! Aïe. Tu l'avais pas vu celle-là? De boule magique. De quoi? Tu l'avais pas vu celle-là? Non, je l'avais pas vu, non. Ah, bah, moi je l'avais vu pourtant, mais bon. Ah putain! Je ne tiens pas à les voir de trop près ces oursins à la con! Ok. Encore une fois, le décor est très très beau. Hein. De la glace comme ça, c'est quand même pas mal fait. Hein. Ah oui, non, mais le jeu est magnifique. Hein. Ouais, c'est bon. Bah, ça, on le dira jamais. Ça, on le dira jamais assez. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Là. Bon, là, c'est de là d'où on arrive, donc on s'en fout. Ok. Il y a un truc je sais ici. Pas s'il y a des trucs à récupérer. Attends, j'en vois un, mais je sais pas où il est en fait. Et il est là. Oh, du fromage qui pue! Waouh! Yes, c'est énorme. Même le jeu y a pensé, il y a du fromage qui pue! C'est pour qui? C'est qui pour tu le vas offrir jeu. Ça? Hein? À qui tu vas offrir ça? Sûrement à Louis, parce que je veux son arme. S'il en veut, bien sûr. Je crois pas qu'il puisse dire non. Si, 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 il y a des objets qu'il veut pas. J'avais une grosse collection d'objets, il y en a un qu'il a pas voulu. Non. Le con. C'est rare quand ils refusent des trucs, mais ils peuvent refuser des trucs, ouais. Ah putain! Elle m'a eu par derrière, cette conne! Alors par contre, je sais pas pourquoi,
Ah oui, c'est parce que bah, il y a un monstre qui avait une pousse sur lui parce qu'en fait je me suis fait attaquer et j'ai vu zone cartographiée. Je fais comment ça zone Ouais, cartographiée? le mob que je viens de buter à l'instant. Ah, une hache. Attends que je regarde à quoi elle ressemble. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là. Non merde, j'ai pas utilisé le bon truc, c'est celui-là. Alors évidemment si tu la fous entre les jambes de Yuri. Ah, pas mal. Bon, spoiler, elle est nulle. Ouais, non, elle est nulle, mais c'était juste pour voir à quoi elle ressemblait. Mais par contre, visuellement, elle est sympa. Ouais. Ah, une machette. Machette plus 5. Ah, je gagne un B en force quand même avec ça. Ouais, Mais mais c'est. tu joues une. Ouais, c'est pas. Tu C'est joues un pas, truc d'ex, donc. c'est pas une. Bah, c'est une épée à une main, donc techniquement, mais bon, ouais. Bon, ouais, je vais quand même regarder l'autre, parce que je suis quand même en B+ avec l'autre, donc on s'en fout. Ok. Hop là. Voilà. On a fait le Ici, on est tour. bon. Ok. Donc il est temps d'aller à la crypte. C'est ça. Ok. Alors là, je sais pas s'il y a des trucs à récupérer. Ouais, il y en a un. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, un régénérateur, c'est toujours utile. Ouais. Fais attention, c'est de la glace. En effet, j'avoue que je l'avais pas vu tout de suite. Là-bas, il y a un truc. Il n'y a pas un monstre qui me. Va Si, récupérer la ici! carte là-bas. Pas dans le trou! Tu seras gentil. Ouais, la carte. Et on a le truc. Je pense qu'on va aller parler au personnage qui est là-bas et puis on s'arrêtera là parce qu'on est déjà à 50 minutes en fait, donc on s'arrêtera là. Ah putain, je l'avais pas vu. Sale bête. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez. Bonjour. Silène, ok. Ah, je peux pas restaurer le. Ah oui, bah oui, je suis en mode de. Je suis en jeu en ligne, je peux pas restaurer le vestige à cause de ça. Ok. Donc techniquement, j'ai tous les. Techniquement, j'ai tous les vestiges de Fionn. Donc ça doit être Ouais. bon. J'en ai combien? On va vérifier ça. Fionn, 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 où est-ce qu'ils sont? Là. 1, 2. J'en ai que 2. Et en même temps, le troisième, on était obligé de le voir. Donc normalement, ça doit être bon. Non, c'est Atlas, hein. Ils sont là. 1. Attends, j'ai le 1 et le 3, mais j'ai pas le 2. Ah ouais, non, mais le 2, on l'a regardé en fait. Ouais, le 2, c'est celui que t'as récupéré tout à l'heure. Ouais, donc normalement c'est bon alors. Ok. Donc normalement, ça devrait être bon. De toute Ok. façon, au pire, s'il faut, tu me dirais la prochaine fois, on fera un tour rapidement et on récupérera. Voilà. Donc en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Quand je ne serai pas. Quand j'aurai le temps et que je serai pas en ligne, je restaurerai les vestiges après être sûr de tous les avoir. En tout cas, on va s'arrêter là. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était un petit peu long évidemment, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a Yuri qui danse, il me semble. Non. Bon. N'hésitez pas à mettre des. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de jouer avec. T'arrêtes de prendre pour. Je m'amuse avec des émotes, fais pas attention. T'arrêtes de te prendre pour Claude FF7? Je fais le con avec des émotes, fais pas attention, continue à parler. Bon, allez, je fais mon ending. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé. Je remercie encore une fois Quentin et Poussin qui m'ont aidé. Mais de rien. Voilà. Et je vous dis ciao tout le monde! À plus. Bye.